Bon. Obinak, tu es là? Hein? J'étais allée te chercher dans ta chambre. S'il te plaît, viens. J'ai déjà prêté de l'eau chaude. Viens, je vais te masser. Laisse-moi calmer, maman. Laisse-moi, maman. Si tu me massais cette eau chaude, avec la douleur que je ressens, est-ce que tu vas partager ma douleur, maman? Hein? Maman, vas-tu sentir la douleur que je suis en train d'endurer, maman? Hein? Obi, je comprends ce que tu ressens. S'il te plaît, je vais personnellement causer avec Ifoma. Elle ne peut pas te laisser comme ça. Cela n'est pas possible. Hein, mon fils? Maman, j'étais là-bas moi-même. J'ai vécu toutes ces choses, maman. De mes propres yeux. Maman, elle me l'a dit en ma présence, maman. Qu'elle aime un autre monsieur. Hey. Maman, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je fais de mal, maman? Hé, hey, maman. Tu n'as rien fait de mal, mon fils. Tu n'as rien fait. Elle est juste allée dans les bras d'un autre homme. Tu n'as rien fait. Hé! Hey. Ça va, hey. Les hommes ne pleurent pas. Tu es un homme, Obina. Tu dois être fort, mon garçon. Comment est-ce que tu peux te laisser abattre? Allez, mon fils. Maman. Viens, mon fils, on y va. Maman, pas seulement. Je veux rester seule. Maman, s'il te plaît, laisse-moi calme. Je t'en prie. Hein? S'il te plaît, mon fils. Maman, je n'aime pas ce que tu fais, oh. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je t'ai déjà dit. Je vous ai dit que j'ai tourné la page et c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Grande sœur, je n'ai plus aucun respect ni considération pour toi. Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça, Obina, avec tout ce qu'il a fait pour nous dans cette maison? Tu es ingrate. Arrête! Il faut m'en avec toi. Hein? Il fait quoi? Tu me bats. Tu te bats avec moi. Juste parce que j'ai fait tout ça pour t'aider et maman. Si c'est ça la seule façon de corriger ton cerveau, je vais te gifler encore et encore. C'est vrai? Tu as le courage de me dire tout ce que tu viens de dire? Oui. En effet, maman. Moi, Ifoma, j'ai déjà fait mon choix. Je n'épouserai pas Obina. Et point final. J'ai tout dit. Si tu oses ne me tueras faire, pas. Si tu oses faire ça, hey. Tu arrêtes d'être ma fille. Hey. Je ne serai plus ta fille. Maman, être ta fille ne fait même pas le bonheur. Hein? Oui, nous souffrons. Grande sœur. Oui, je souffre. Hein? Si ce n'était pas à cause de ton incapacité de prendre soin de nous dans cette maison, ou bien n'allait pas faire tout ce qu'il faisait pour nous. Oui. Maman, respecte-toi. Maman, respecte-toi. S'il te plaît, maman. Je refuse. Laisse-moi tranquille. Grande sœur, ça c'est insulté, maman. Ça c'est insulté. Hein? Dis-moi la vérité. Est-ce que Obina t'a déjà offensé, t'a déjà fait du mal? Hein? Arrête de me regarder comme si tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Je dois faire un choix. Oui. Ton fils n'est même pas marié avec moi. Alors pourquoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi alors ce combat pendant qu'il n'est même pas encore marié? J'ai le droit de faire un choix. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, 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 oh. Donc c'est comme ça que tu veux le payer après tout ce qu'il a fait pour toi? Hein? Obina. Maman Obina. Allez, maman, calme-toi, ça va aller. Maman, écoute. Ton fils est un bon homme. Il nous a beaucoup aidés dans la famille, oui. Mais moi aussi, j'ai beaucoup fait pour lui. J'ai nettoyé ta maison, j'ai fait ceci, cela. J'ai nettoyé tes vêtements. Est-ce que tu peux arrêter cette folie? Je vous ai aidé à préparer jour et nuit. Hein? Alors maintenant, là, j'ai réalisé que ton fils et moi ne sommes pas compatibles. Hey! Oui, c'est vrai. Oui, oh! Et je ne peux pas l'épouser par maman, calme-toi. Je ne peux pas l'épouser par pitié. Alors laissez-moi faire mon choix librement. Laissez-moi faire mon choix. Tu es une âme ingrate. Oui, je le suis, merci. Hey, je ne suis pas assue. Laisse-moi faire mon choix. Laissez-moi faire mon choix. Et tu es en train de partir. Pas de problème. Maman Bina, oh. Dieu te maman. Voit. Arrête de pleurer. Hey. Tu penses que si tu pleures là, j'aurai mal au regarde l'état dans lequel tu mets, rien maman. Du tout. Juste à cause de toi. Maman, laisse-moi. Maman, t'occupe pas d'elle. Je ne sais pas ce que ce gars t'a fait manger. Il m'a donné l'amour.
Il m'a donné l'amour. Je vais passer le reste de ma vie avec lui. Et non avec Robina. J'ai déjà parlé souvent. Hey. Bon. Alors, si vous faites son amour, je savais pas qu'il était un pousseur. Oui, il est. Avec tout ce qu'il t'amenait ici, tu es une disgrâce. Obi. Obinaya. Hey, tu es là? Le garçon amoureux. Pourquoi tu pleures? Le garçon amoureux, mais pourquoi tu pleures, dis-moi? Mon gars, attends. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu es un homme, arrête. Mon gars, écoute. Moi, je te comprends. Ne me dis rien. Moi-même, je comprends tout. C'est comme ça avec les femmes. Tu vois? Elles viennent prendre ce qu'elles veulent. Et puis, c'est fini. Ok? Arrête de pleurer. Je t'en supplie. S'il te plaît. J'ai fait tout ce que j'étais supposé faire. Hein? C'est comme ça qu'elle me les restitue. Hein? J'ai souffert. C'est comme ça. C'est comme ça qu'elle me les restitue. Hein? Écoute, c'est une tragédie. Mon gars, c'est bon. Ce que tu as fait pour elle ne compte pas. La femme, il ne faut pas lui faire confiance. Crois-moi. C'est pourquoi je t'avais dit autrefois. Au lieu que j'utilise mon propre argent pour faire étudier une femme, c'est mieux que je m'achète même un book et bien en prendre soin. Et lorsque ce book va grandir, je veux le vendre et me faire plus d'argent. Est-ce que tu te rappelles? Écoute, arrête de pleurer, ok? Crois-moi, au bon moment, tu vas oublier cette fille. Bien, cela me rappelle, j'ai appris qu'on t'a offert de te payer. Mon gars, écoute, ce que j'essaie de te dire, je veux que tu prennes cet argent. Parce que je ne peux pas du tout être heureux dans cette vie quand je te vois perdre tous les deux côtés. Ça ne me plaira pas, pas du tout. Il faut que tu prennes cet argent. Oui, c'est encore le moment. Cela n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Hein? Je fais tout ce que je fais là, à cause de l'amour. Hein? Je peux pas prendre cet argent. Après tout ça, c'est comme ça qu'elle me récite. Je l'ai fait à cause de l'amour. Écoute bien mon frère. Tu es là, moi je te parle, mais toi tu ne parles que d'amour. Mets tes oreilles là. Du calme, calme-toi. Il faut que tu te calmes mon gars. Calme-toi. Je suis là pour parler de quelque chose de très important. Toi tu ne parles que d'amour. C'est à cause de l'amour que tu es comme ça, mais toi tu ne fais que parler d'amour. L'amour. Je l'aime beaucoup. L'amour quoi? Oublie un peu cet amour là. Je l'aime beaucoup et je veux qu'elle revienne. Je l'aime toujours. Obina, écoute-moi. Je l'aime toujours. Je l'aime. Obina, s'il te plaît, essaie un peu d'oublier cette fille. Arrête, regarde comment tu pleures comme ça. Hein? Écoute, je peux te connecter à une autre fille. Il y a beaucoup d'autres femmes là partout. Tu n'as qu'à choisir une. Ah, cette histoire-là de pleurer, de pleurer, de pleurer, moi je n'apprécie pas. Ifoma, tu vas bien? Du genre, es-tu vraiment sérieuse? Attends. C'est vrai, donc, c'est la réalité? Oui. Je suis amoureuse. Ah! Je l'aime. Ah! Il faut m'attuer sans cœur, hein? Il faut m'attuer méchante. Je veux dire, j'enviais la relation que tu partageais avec Obina. Ce garçon t'adore, il t'aime. Qu'a-t-il fait? Il ne mérite pas ça. Je sais qu'il m'aime. Je suis très consciente qu'il m'aime vraiment. Oui, mais je suis amoureuse d'un autre. Mon cœur appartient maintenant à Stanley et ses points finaux. C'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Je pense que quelque chose ne va pas avec toi. Il y a sérieusement quelque chose qui ne va pas avec toi. Je comptais te donner une gifle pour te délivrer de cet envoûtement, mais non, je vais te laisser comme ça. Ça ne me regarde pas. As-tu perdu ta tête? Vas-y! Alors vas-y épouser Obina et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Hey!
maman. Ici. Tonton. Pourquoi vous pleurez à deux? Grande sœur, Ifoma, elle est partie de la maison depuis hier. Elle n'est pas encore revenue jusqu'à présent. Quoi? Où est-elle partie? On n'en sait rien. Ok. Calmez-vous, hein, maman. Calmez-vous, maman. Calmez-vous. Calmez-vous, hein. Je vais aller chercher quelques jeunes pour aller la chercher. Oui, tonton. Hein, maman. Arrête de pleurer, hein. Elle va revenir. Et elle va revenir. J'arrive. Mon gars, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Je vais à la recherche d'Ifoma. Oui, je dois aller la chercher. Tu entends ce que tu dis là? Une fille qui a dit ouvertement que tu voulais voler sa destinée. Hein? Oui, elle t'a quitté pour un autre homme. Même pas, petite amie, même pas des âmes sœurs. Hein? Quelle est la couleur de ton problème, Obina? Hein? Inkem, j'ai pas de temps. Inkem, quitte sur mon chemin. Laisse-moi aller chercher mon amour, oh. Ah non, attends, tu vas où comme ça? Mais c'est quoi ton problème, non? Mais laisse-moi, libère mon chemin. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Tu me barres la route, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais quitte là, non, hein? Calme-toi, mon frère. Écoute, calme-toi. Je suis venu avec la nouvelle d'argent. Hein? Il faut m'aller maintenant en ville. Avec son âme-sœur. Oui, si tu veux, parcours tout ce village. Tu ne le verras nulle part par ici. Tu ne le verras pas. Je te dis la vérité. Mais oui, voilà comment tu me regardes. C'est la vérité. Inkem, comment Obina, tu l'as su? Comment tu sais que Inkem est à la cité? Comment tu l'as su? Donc toi jusque-là, tu veux me dire que tu ne comprends rien du tout. C'est très évident que cet homme-là l'a déjà emmené en ville. Tu ne comprends pas ça? Je m'étonne que tu ne saches pas. Tout le monde sait déjà. Il faut m'aller maintenant en ville. Et si tu veux, tu peux pleurer du matin au soir et tu ne verras pas il faut m'apparaître. C'est mieux que tu agisses comme un homme et arrête de pleurer comme ça. Hein? N'est-ce pas lui l'homme en question? Hey! Je venais justement pour te voir chez toi à la maison. Pourquoi? Pourquoi es-tu venu me voir à la maison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour te donner ceci. Vas-y, prends-le. Là, c'est la somme totale de tout ce que tu as dépensé sur cette jeune belle fille. J'ai même eu, je crois, ajouté encore une autre somme pour que tu puisses te faire une belle et nouvelle vie. Tu sais, une chose que j'aimerais ajouter sur toute cette histoire, en fait, c'est... Les femmes que toi et moi connaissons si bien n'iront chercher que des gens très riches. Donc, prends ceci et va en paix. Hey! Ah! Mon cher, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Tu essayes de me soudoyer? Tu essayes de me payer pour que je te laisse ma femme? Tu veux que je quitte ma femme parce que tu veux me payer? Laisse-moi, je vais taper, monsieur! Arrête! Mon gars, hein? Mon gars, tu blagues avec moi. Tu m'insultes, tu m'insultes. Tu es en train de m'insulter. Alors, tu es en train de te prévenir. Tu as envie de croupir en prison? C'est bon, donnez-moi. Tu veux vraiment que je te jette en prison pour que tu restes là-bas à jamais? Allons-y, je n'aurai pas peur. Allons-y. Calme-toi. Comment oses-tu? C'est bon, calme-toi. Comment oses-tu venir dans ce village et prendre ma femme? Hein? Hey, essaie au moins de faire une vie, mec. Calme-toi. Tu n'es qu'un pousse-pousseur. Hein? Comment peux-tu avoir le culot de t'adresser à des très belles femmes sans pour autant voir l'argent? Non mais franchement, combien vas-tu utiliser pour prendre soin de tes belles femmes? Tu ne penses même pas à toi. Avant même que nous puissions parler de pouvoir prendre soin d'une femme. Hein? Non mais regardez-le. S'il te plaît, tu es fini. Il faut renoncer à cet homme. Mon Dieu. Fais un effort d'oublier cette fille, Ifoma. Après tout, tu as découvert qu'elle est entre de bonnes mains. Calme-toi un peu, arrête les choses comme ça. Ah mon Dieu. Regarde la somme qui a sur ce chèque. Regarde. Est-ce que tu vois cette somme?
Regarde cette somme. Qu'est-ce que je fais? Quelque chose. Ben voilà. Regardez au moins quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Voyons, à cause de cette fille. Voyons. Il faut que tu te calmes d'abord. Arrête de tout le temps passer à cette fille. Est-ce que tu peux entendre ton ami? Mon frère, tu suis grave de te taire. Si j'entends ta voix, je vais te casser la gueule. Si j'entends encore ta voix, je vais te casser la gueule. Voyez-moi ce fait. Tu vois, mon gars, s'il te plaît, quelle banque utilises-tu? Donne-moi le nom de ta banque, s'il te plaît. Fidelity Bank. Fidelity Bank. Oui. Ah, et ben voilà. Quand on laisse un homme sage parler, on apprend toujours quelque chose de nouveau de lui. S'il te plaît, donne-moi ton numéro de compte. Tu mérites quelques crédits. 60 90 90 1 4 50 70. C'est toi, le grand boss. Qu'est-ce que je fais? Je viens juste de t'envoyer 20 000 lira. Utilise-les et prends soin de toi. Tu es vraiment un boss. Oui. La vie est simple, ne la rendons pas compliquée. Quand quelqu'un vient auprès de toi, il ne peut jamais repartir même vidéo. Juste comme ça, tu m'as donné cet argent. Et tu m'as dit d'aller m'amuser. Mon gars, tu ne vois pas? 200 000 lira, juste comme ça. Essaye, apprends-le à être sage. Bon, écoute, il n'est qu'un champion local, en tout cas. Tu m'as trahi, mon frère. Fais-toi une belle vie, mon cher. Calme-toi. Et arrête surtout de tourner autour de cette belle reine, ok? Elle ne te mérite pas, mon gars, ok? Tu n'es qu'un champion local. Hein? Mon gars, peux-tu arrêter? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout ça à cause d'une femme. Hein? Cette femme est mon amour. Non, arrête de dire ça. Quelle vie! Écoute, laisse-moi te dire. C'est normal d'avoir le cœur brisé. C'est ça la vie pour toi. La douleur arrive. Ce que tu dois faire, c'est de tenir comme un vrai homme. Comme un vrai homme. C'est quoi ce que tu fais comme ça là? Il faut que tu apprennes à arrêter tout ça. Oh. Tu es en train de dire toutes ces choses parce que ce n'est pas toi. Tu dis toutes ces choses parce que ça ne t'est pas arrivé. Mon ami, je vais te dire une chose. J'ai eu à traverser pire que ça. Tu entends? Est-ce que tu te souviens? Mon patron m'aimait vraiment beaucoup. Je peux même te dire que mon patron m'a cédé toutes ses affaires pour que j'en prenne soin. Est-ce que tu sais pourquoi je suis encore dans ce village? C'est à cause d'une fille qui s'appelle Abere. Elle m'a quitté pour mon patron. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à autre chose. Tout ce qu'il faut faire, c'est de te tenir sur tes deux pieds comme un homme. Arrête tout ce que tu fais là. Je n'apprécie pas du tout. Ton histoire ne peut pas être la même que la mienne. Je l'aime beaucoup. Je ne peux pas me permettre de la perdre. Où commencerai-je? Elle a été mon rêve. Elle a été tout pour moi. Où commencerai-je? Ça va aller. C'est bon, c'est une bonne question. Ok? Il faut te calmer. Et avec ton chèque de 5 millions de naira. Ok? Toi et moi savons, tu n'as même pas atteint 5 millions dans tout ce que tu as fait pour Ifoma. Tu sais, non? Donc il faut en profiter. Mais oui, tu sais bien que tu n'as jamais atteint 5 millions. Donc avec cette grosse somme d'argent-là, tu peux juste commencer une bonne affaire qui te fera tenir comme un homme. Mais oui, tu verras que tout ça finira par passer. Tu entends ça? Bon après-midi. Désolé, qui cherchez-vous? Et qui êtes-vous? Elle me pose aussi la question. Dis-lui, Candy était là. Foutaise.
Candy. Allô? Bon après-midi. Comment se passe le boulot? Ok. Quelqu'un est venu ici. Elle a dit que son nom est Candy. Oui, Candy. Alors, qui est-elle? Ok. Oui, tu vas m'expliquer plus tard. D'accord. Je vais bien. J'ai déjà mangé. Le riz. Et la soupe. Je t'aime aussi. Bye. Bye. Candy. Obi n'en avait pas pris de l'argent. Il l'a refusé. Mais c'est pas mauvais, c'est quand même bien. Parce que prendre de l'argent signifie qu'il accepte d'être payé. Moi, à la place de Obina, je prendrais ses chèques. Pourquoi? Oui, parce que avec cet argent, il peut s'offrir une vie stable et équilibrée. Bien. Je crois qu'il aurait dû prendre l'argent. Qui sait, peut-être que c'est une façon que Dieu cherche à les bénir. On ne sait jamais. Mais si tu veux avoir mon avis, il se pourrait qu'Ifoma et Obina ne soient pas faits pour être ensemble. Bon, ça paraît vrai. Mais je n'en sais pas vraiment. J'ai prié juste que ces désespérés d'Ifoma ne puissent pas transformer Obina en monstre. Eh bien, Obina est une bonne personne. Il est une très bonne personne, tout le monde le sait. Il ira bien. Tu n'as pas à t'inquiéter à propos de ça. Je sais. Mais bizarrement, dans la vie, les gens qui sont généreux sont toujours poussés jusqu'à leurs limites. T'inquiète pas. Je connais Obina. Je sais qu'il ira bien. Ça me revient. Comment va maman? Ma sœur, maman va bien. C'est juste que tous ces temps, elle est devenue très pensive. Ah, je me démène comme pas possible, juste pour me rassurer que maman ne manque. Oh, ah, tonton Obina a vraiment été gentil envers nous. Faire de l'argent, ce n'est pas du tout facile, oh. Ma sœur, je sais. C'est pas facile, c'est Je passe par beaucoup de choses. Je sais. Dieu va nous bénir. Ça va aller. Amen, oh. Amen. Je le prie vraiment. C'est pas Adieu. Facile. Juste regarde-moi. Depuis que je marche, personne n'a. T'inquiète, ça ira. Dieu le fera pour nous. Ça va aller. Mon magnifique rayon de soleil. Candy, comment es-tu entrée ici? Allez, chérie. Est-ce que c'est de cette façon que tu reçois la mère? Tu es ton héritier? J'ai toujours ma clé. Rappelle-toi. Écoute-moi. Je n'ai sincèrement pas l'énergie et encore moins la force pour ton drame en ce moment. Dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Je vais être brève. Ton fils a dit qu'il veut te voir. Ton fils a dit qu'il a envie de me voir? C'est vraiment ce pourquoi tu es venu jusqu'ici et ça t'amuse? Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a? Allez bébé, il est à la maison. Ça suffit! Ça suffit, femme! Tantine, j'ai beaucoup écouté. S'il te plaît, si Stanley-ci veut voir ses enfants, il viendra chez toi pour les voir. Arrête ça! Garde ta sale bouche hors de notre affaire. Il ne fait que passer du temps avec toi jusqu'à ce que nous allons résoudre nos différends. Assez de tout ce bordel! Stanley... De quoi est-ce qu'elle parle? Et toi, garde tes mots hors de cette discussion.
Vas-y, explique-toi, je t'écoute maintenant. Sois très prudente. M'as-tu entendu? Ah, il est à moi. Plus tôt tu vas comprendre cela, ma belle, mieux sera pour toi. Hey, demande qu'il te ramène du trou à rat qu'il t'a piqué. Oh, chérie. Arrêtez ce n'importe quoi. J'ai dit arrêtez ça. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit on arrête. Arrête ça. Je ne veux pas de cet acte agressant venant de toi, ok? Si tu n'as pas envie que je te tue là maintenant, comporte-toi bien, ok? Et j'ai dit assez clair. Et toi, tu as totalement perdu ta bienvenue. Sors d'ici maintenant et pars. Sortir de notre maison, c'est ce que tu veux dire? Ne me provoque pas avant que je ne perde mes nerfs. M'as-tu entendu? Sors de ces lieux maintenant. Peu importe. Bébé, qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce qu'il y a, non? Hein, je t'ai déjà demandé pardon. Pourquoi continues-tu d'agir ainsi, non? Hein? Je suis désolé, ok? Laisse-moi tranquille. Désolée pour quoi exactement? Es-tu désolée pour m'avoir embarrassée devant cette stupide mère de tes enfants? Es-tu désolée de réagir comme un voyou? Hey, arrête-toi là. Eune, est-ce que tu viens de traiter la mère de mes enfants de stupide? Aussi que tu viens à peine de m'insulter, là maintenant? Dis-moi, es-tu toujours amoureux de lui? Oh, peu importe. J'ai bien dit peu importe. Regarde, n'as-tu pas vu comment est-ce que j'ai été dur et très sévère avec elle? Tout ça juste pour toi, ma chérie. Pour te rendre heureuse, bien sûr. Ce qui importe maintenant, c'est que nous sommes là. Nous sommes là ensemble et bien cela seul. Hein? Stanley. Oui, bébé. Est-ce que tu m'aimes toujours? Bébé, ai-je vraiment l'air de t'aimer, moi? Je ne sais pas, je suis confuse. Tu ne devrais pas l'être, chérie. S'il te plaît, ne me fais pas du mal. Tu es enceinte. Ça demande une célébration. Oh bébé, je dois aller acheter des champagnes très chers pour célébrer ceci. Célébration? Oh oui. Qu'est-ce qu'on va célébrer? Pour célébrer mon bébé que tu as en toi. Alors qu'est-ce qui va arriver à mes études? Non, je dois étudier. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Je ne peux pas avoir ce bébé. Que ton éducation est bien plus importante que mon bébé que tu as à l'intérieur de toi, là? Mais c'est ce que tu m'avais promis. Je ne peux pas garder cet enfant. Voyons-moi ça maintenant. Voyons-moi ça. Essayons juste quelques secondes de te comparer à Candy. Regarde ça. Candy, qui avait joyeusement accepté d'avoir mon bébé. Au lieu pourtant de t'estimer heureuse parce que tu portes mon bébé, te voilà que tu es en train de... Arrête-moi avec cette bêtise. Qu'est-ce que Candy a à voir avec notre conversation? Comment oses-tu me crier dessus? Comment oses-tu hausser le ton sur moi? Si quoi que ce soit arrive à mon bébé, considère-toi déjà comme morte. M'as-tu entendu? Je vais te tuer et te jetterai sur la rue. N'importe quoi. Tu veux t'amuser avec mon enfant? Je vais avoir un second bébé. Oh, merveilleux.
Oh, Seigneur, enfin je suis arrivée. Oh, quel soleil. Hey! Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu fais ici avec tes bagages? Hmm? Mais qui parle? Tu veux savoir qui demande, n'est-ce pas? Moi, Ifoma, la femme de Stanley, te demande qu'est-ce que tu fais ici avec tes bagages. Oh mon Dieu! Ben, je suis là tout simplement pour reprendre ma place dans son cœur et dans la maison. Écoute, le plus vite, tu arrêteras de venir ici. Ça serait mieux pour toi. Si j'étais toi, j'allais mettre mon corps hors de cette maison. Ma chère, personne ne va m'empêcher pour avoir Stanley, que ce soit toi ou cette chose que tu as dans le ventre. Comment sais-tu que je suis enceinte? Écoute, mon cher Stanley me raconte toujours tout. Bêtise. Et Stanley est à moi et à moi seule. Ifoma. Je devais le faire. Je devais le faire, je n'avais pas d'autre choix. Je devais le faire et de toutes les façons, tu n'aurais pas du tout compris la situation. Comprendre quoi? De quoi parles-tu, Stanley? Je ne suis pas bête. Penses-tu que je suis stupide? Quoi qu'il en soit, je ne crois vraiment pas que je te doive une quelconque explication, ma chère. Candy n'est pas le genre de fille dont je peux juste me débarrasser facilement comme ça. Je ne peux jamais faire ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas. Mais à cause des conséquences qui peuvent suivre à cause de cette décision, je ne pourrai jamais faire cela. M'as-tu compris? J'étais un pauvre gars. J'étais juste un pauvre gars qui mendiait tout le temps sur la rue. Et son simple regard, et tout son amour et la relation que j'ai eue avec cette fille a changé ma vie pour toujours. D'un cancre à quelqu'un d'utile. Candy a été capable de parler à ses parents et même de les convaincre que j'étais assez bon pour elle. Ils m'ont accepté. Pendant que je n'étais rien. Elle a fait d'un cancre quelqu'un d'utile. Tout ce que j'avais, ainsi que tout ce que j'ai maintenant, c'est le résultat de cette fille ainsi que de ses parents. Écoute, ils m'ont donné un emploi. Un emploi qui m'a maintenu pendant longtemps. Jusqu'à ce que je suis devenu assez fort pour prendre soin de moi aujourd'hui. Mais tu es très fort de toi-même. Alors c'est quoi ce grand deal? Le grand problème, c'est que son père n'acceptera jamais que je puisse faire cela. M'as-tu bien comprise? Il m'a pris mon fils. Le père de Candy veut que Candy et moi soyons ensemble. Et pas seulement être ensemble, mais être ensemble pour la vie. Donc, je ne peux pas juste me réveiller et la jeter hors de ma vie. Et la seule manière pour moi de récupérer mon fils, c'est seulement de cette façon-là. Sans oublier le fait que ce n'est pas du tout une bonne chose pour quelqu'un de mordre le doigt qui le nourrit. Ce n'est pas moi. Je ne le ferai pas. Stanley, qu'est-ce que je fais alors ici? Qui suis-je pour toi? Qui? Tu es ma petite amie, bien sûr. Hein? Oh, bébé. Oh.
Et ma chère, pour te montrer combien je suis gentille, je vais te laisser vivre ici comme bonne. Parce que je ne peux pas laisser le sang de mon bébé dans la rue. Tu dois être folle. Tu as vraiment perdu ta tête. Tu es vraiment stupide. Folle? Tu es vraiment... Hey, Candy, arrête. Non. Tu es bien plus intelligente que ça. Tu n'as pas du tout besoin de te rabaisser à son niveau. Et d'ailleurs, elle est enceinte. Oh, bébé, oublie à propos d'elle. C'est toi que je veux, et toi seule. S'il te plaît, vas-y doucement avec elle. La vérité, c'est que je l'aime. Mais tu n'arrêtes pas de me pousser à faire ça. Tu m'aimes, moi, et moi seule. Sinon, papa ne sera pas d'accord avec ça. La vérité, c'est que je ne t'aime plus du tout comme avant. Tu as causé tout ceci. Tu m'as poussé à faire ça. Oui. Hein? Tu n'es plus aussi sucrée que tu avais l'habitude de l'être. Comment est-ce que je peux être sucrée pendant que tu blesses mon cœur à tout moment? Mais je m'excuse aussi à Comment tout moment. Comment peux-tu faire la même chose avec elle? Si je suis aussi mauvais que tu l'es, pourquoi n'arrêtes-tu pas de revenir? Je t'aime. Je t'aime, Stanley. Si je ne peux t'avoir, aucune autre femme ne t'aura, je t'ai dit. Oui. Tu en es sûre? Oui. Madame, n'as-tu pas vu que je regardais la télé avant que tu n'arrives? Y a-t-il un chien qui est en train d'aboyer? Est-ce que c'est ta maison? Je vois bien que tu cherches mon trouble. Tu t'es vraiment préparée de me déranger. C'est bon. Comme tu ne veux pas la paix, je ne te la donnerai pas non plus. Est-ce que tu viens d'éteindre la télé? Bien sûr que je l'ai fait. Est-ce que tu Comme je ne peux pas regarder, toi non plus tu ne la regarderas pas. Est-ce que tu as éteint la télé? Et qu'est-ce que tu vas faire? Rallume-la. Rallume-la! Pourquoi? Je dis rallume. Qu'est-ce que tu vas faire? Rallume, non! Qu'est-ce que... Attends, je vais voir. Rallume ça. Qui est malade. Vite. Laisse-moi. Rallume la télé. Mon amour. Bébé. Je suis désolée pour tout. Désolée pour tous les drames que je t'ai causés. Désolée. Je peux voir que tu as trouvé l'amour et la paix avec elle. Alors, je vais partir pour ne plus revenir. Qu'est-ce qui va arriver à mon garçon? À son retour du Royaume-Uni, il viendra te voir. C'est d'accord. Merci beaucoup. J'apprécie très sincèrement tout ce que tu as fait pour moi. Je t'en prie. Ify, pardonne-moi. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait traverser. Prends très bien soin de toi et du frère ou de la sœur des juniors. Je m'en vais. Bébé, je crois que ton chauffeur doit sûrement t'attendre dehors. Ok. Très bien. Merci, O. Que Dieu te bénisse. Pipi!
Foutaise. Donc c'était un rêve. J'étais en train de rêver. Hey! Les mêmes vêtements, le même chaussure. Quelque chose arrive. Je suis finie. J'ai pensé qu'elle était partie. Je me suis mis dans quel pétrin. Je t'ai dit de prendre tout ce que j'ai, tout ce que je possède dans cette maison. Oui, prends tout, tout ce qui m'appartient dans cette maison. Tous mes habits. Et n'oublie pas mes parfums. Prends tout. D'ailleurs, loue une voiture. Je suis là, je vais rester dans la maison de mon mari. Candy la sexy est là. Ok, d'accord, j'attends. Merci. Excuse-moi, madame. Où est-ce qu'ils vont emmener toutes ces histoires? Ici? J'espère que tu ne les amènes pas chez mon mari. Hey, Candy! Candy, tu souffres! Tu souffres! Ma belle, ne prends pas ma générosité pour de la lâcheté. Réjouis-toi de privilèges que tu as dans cette maison. Attends, Kebon. Réjouis-toi. Tu racontes des bêtises. Tu es vraiment stupide. Écoute, laisse mon mari tranquille. Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. M'as-tu entendu? Tu es vraiment une femme stupide. Hey! Hey! Candy! Candy! Juste calme-toi. Oh, calme-toi, Candy! Hein? Si seulement je ne connaissais pas ce qu'était la grossesse, si seulement je n'avais pas accouché avant toi, j'allais te montrer qui je suis. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Évite-moi. 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 Petite. Qu'est-ce que tu vas faire? Bébé. Bébé, qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'aime pas ta façon de t'éloigner de moi. On n'est plus ensemble comme on est censé l'être. Tu dois m'aimer ensemble avec tout ce que tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'ai pas cessé de te dire que j'ai eu des journées absolument chargées ces derniers temps. Ça n'arrête pas de me prendre toute mon énergie. Écoute, tout ce dont j'ai besoin toutes les nuits quand je rentre à la maison, c'est de toujours prendre ma douche et aller dormir pour que j'aie assez d'énergie pour faire face aux activités du jour suivant. D'accord. Je t'en prie. Mais j'ai besoin de ton amour. J'aime quand tu me touches. Tu me sers dans tes bras. Tu me caresses. Bébé, je t'aime. Tu es le seul homme de ma vie. Et tu le sais bien. S'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, bébé. Je vais te donner ce que tu désires, chérie. Je te le promets. Merci. Allô, jeune homme. Oh! Ok, j'ai été entendu. Waouh! Ok, attends. Je vais parler avec papa. D'accord. Attends, je lui passe le téléphone. Ton fils va te parler. En privé. En privé. Excuse-moi. Bébé, non. Ne me laisse pas. J'ai dit excuse-moi. Lève-toi de là. Oh. Salut, fiston. Fiston, tu es là? Allô? Allô? Hey, mon fils n'est pas sur la ligne. Oui, mais je suis là, pour ton plaisir. Oh, je suis là.
Allez. Hé, hey, Candy, arrête. Non. Candy, arrête, s'il te plaît. Détends-toi. Candy, arrête. Détends-toi, non. Arrête. Candy. Maman. Maman, arrête ça. Maman, les pensées ne résoutent aucun problème. Au contraire, ça ne fera qu'empirer la situation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein, Femi? Maman, arrête d'être pensive. Arrête de te déranger. Ok. Promets-moi que tu ne me quitteras pas un jour comme il faut, Malafé. Sans effet, maman. Je ne le ferai jamais. Je serai toujours là pour prendre soin de toi. Je ne pouvais penser qu'un jour, il faut moi me faire ça. Hein? Maman, elle est juste ingrate. Maman, s'il te plaît. Arrête de te faire des soucis pour elle. Certainement, elle est en train de profiter de sa vie. Et toi, tu es ici. Essayons de te couper en mille morceaux à cause d'elle. S'il te plaît. Maman, arrêtons d'abord de parler de Serifoma. Qu'est-ce que tu veux manger? Je n'ai pas envie de manger. S'il te plaît. Je n'ai pas envie de manger. Maman, tu dois manger quelque chose. Maman, s'il te plaît. Stanley, où es-tu? Oh, 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 t'es au bureau? Es-tu sûr que tu ne prends pas un verre avec tes amis? Ou soit tu es là-bas dehors avec une autre femme, hormis celle que tu as ici à la maison? Stan, crois-tu que je saurais vivre sans toi? Attends, qui voudras-tu m'épouser à tant que mère célibataire? J'ai ton enfant, rappelle-toi. Oui, désolée parce que j'ai foiré, mais je voulais juste te donner une leçon. Parce que tu commençais à en abuser. Stan, relax. Cherche bien dans ton cœur. Vérifie bien et tu verras que ton cœur est fait pour moi. Et le mien pour toi. Tu m'appartiens, Stan. Je suis désolée pour tout. Tu... Ne pense pas à ça. Quand j'étais allée, beaucoup de gens étaient venus. Plusieurs hommes étaient venus vers moi, mais je n'ai pas pu rester avec eux parce que je suis faite pour toi, bébé. Aucune femme ne te ravira de moi. Aucune. Je t'appartiens, Stan. Et tu m'appartiens. Oui, je t'aime beaucoup. Oh, t'es gentil. Oui, je vais de la crème glacée. Oui, mon chéri, je vais aussi du pizza. Ouais. Oh, mon bébé, allez. Je t'attends, bébé. Fais vite, oui. Ok, mon amour. Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à moi-même? Dans quel pétrin je me suis introduit? Ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu. Mon rêve n'est pas d'être une femme ménagère.
Il m'avait promis. Il m'avait promis de me faire étudier. Il m'avait promis de m'encadrer. Mes études sont très importantes pour moi. Je vais aller à l'école. Quelles études? De quelles études parles-tu? Ma belle, je lui ai demandé de ne pas payer tes frais. Parce que tu es enceinte. Tu es enceinte et tu ne peux pas aller assister aux cours. D'ailleurs, l'économie est en baisse. Et nous sommes très occupés en investissant sur notre fils. Ce qui fait qu'il n'a pas le temps pour ça. Il ne peut s'occuper de cette chose. Donc, pas d'études pour toi. Tu es vraiment méchante. Tu es trop méchante même. Comment peux-tu le faire à une femme comme toi? Sachant que mes études sont très importantes pour moi. Tu m'avais promis de me faire étudier. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Donc tu me traites de méchante. Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc tu crois qu'il va t'envoyer à l'école avec l'argent de mon père? Pas question, bébé. Tu vois, ceci est ma maison. Et retiens ceci. Pas d'études pour toi. N'importe quoi. Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi toujours moi? Tais-toi et apporte-moi à manger. Tu n'es qu'une bande dans cette maison. Bêtise. Tu es méchante. Dieu va te punir. Oh, tu me fais peur. Dieu va te juger. Il va te juger aussi. N'importe quoi. Dieu va te juger. Oh, elle a même verrouillé les portails en sachant que j'étais dehors. Ok, pas de problème. Je suis là. J'attends. Elle va me trouver. Oh, la voilà. Salut, Candy. Dieu merci, je t'ai vue ici. Tu es venue, je suis sortie pour acheter quelque chose. Désolée de te faire attendre. Pouvons-nous entrer? Ok, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Stanley a voyagé il y a de cela 7 mois. Je n'ai aucune de ses nouvelles. J'essaie toujours d'appeler ces 2 numéros. Ça ne passe toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas, s'il te plaît? Ma grossesse tend déjà à sa fin. Et mon mari, je ne sais même pas où il se trouve. S'il te plaît. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Je sais très bien que tu connais où il se trouve. Oh! Donc, tu es toujours là? En train d'entendre Stanley? Ok. Stanley est au Royaume-Uni avec mon fils. Notre fils. Et pour ton information, cette maison a été vendue. Oui, et le nouveau propriétaire va y entrer dans 3 jours. Mon Dieu. Donc, si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, je te conseillerai de prendre tes affaires et de partir avant qu'on te mette à la porte. Réjouis-toi de ton état. Olam dine ni gwe marama. Olam dine ni gwe marama. Olam dino wa manange di ni gwe kayama e. Onwa di roya. Olam dino wa. Olam dini gwe. Olam dino wa. Mama. Mama, ma bien-aimée.
Maman, je suis de retour. Ngozi. Ifoma. Ifoma. Maman. C'est toi? Oui, maman, je suis de retour. Ifoma. Ifoma, quitte ma parcelle maintenant même, avant que je ne fasse quelque chose que nous allons regretter toutes les deux. Maman, ma vie a été ruinée. Je te dis la vérité. S'il te plaît, pardonne-moi. Ifoma, quitte ma maison en 7 minutes. Né, s'il te plaît, je ne sais où partir. Tout est gâté pour moi. Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Maman, je... maman, s'il te plaît, maman, désolé, maman. Va-t'en. Maman, s'il te plaît, je suis enceinte, maman. Allô? Allô, quoi, mon azo? Toi? Enceinte? Maman, pardonne-moi. Toi et ces bâtards que tu portes, j'ai vouvé hors de ma parcelle. Tu n'es pas permise d'entrer dans ma parcelle. Maman, s'il te plaît, je ne sais où partir. Tu crois que je suis en train de blaguer? Hein? Maman, s'il te plaît. Allez, va-t'en. Sors d'ici. Va. Oh, Bim, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Je sais que je t'avais blessée. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en supplie. Tu es un homme bon. Tu es un homme de paix. Tu cherches toujours la paix, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. S'il te plaît, je suis de retour. Je suis de retour. Obi, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je t'avais offensée d'une façon très terrible. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai réalisé mes erreurs. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ifeoma, s'il te plaît, pitié. Ifoma, tu es vraiment éhontée. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je suis désolée. Je suis sans honte. Je sais. Je suis tout ce que je viens de mentionner. Mais pardonne ta sœur.
Ma soeur, s'il te plaît, je suis en train de souffrir. Je ne sais où aller. À cause de toi, maman Obi est morte. Si maman aussi n'était pas assez forte, elle serait morte, elle aussi. Et tu reviens pour demander pardon. Ifoma, tu es sans cœur. Tu es tellement méchante. Tu ne mérites pas être pardonnée. Tu représentes la douleur. Tu reviens maintenant pour allumer les mauvais souvenirs que tu nous as laissés. Ce n'est pas toi qui avais dit que il est ton âme sœur. Où est-ce que tu en es maintenant? Rentre chez ton âme sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Pars d'ici. Je ne sais où partir. Je n'ai où partir, s'il te plaît. Obi, Obi. Arrête de déranger mon amour de mari. Il est à moi maintenant. Obi, Obi, Obi. Pars d'ici. Obi. Ma chérie, mon amour, comment tu trouves cette situation? Hein? Peu importe ce qui s'est passé, elle reste ta sœur. Quelle est cette sœur qui peut agir ainsi? Une sœur qui abandonne sa famille. Tout le monde peut être appelé sœur. Mais leurs actions montrent qu'elles nous sont familières. Elle a cessé d'être ma sœur dès le jour où elle m'a quitté, moi et maman. Je sais. Je sais, mais... Mais quoi? Chérie, je crois que ce n'est pas ce à quoi je pense. Je sais que tu as aimé ma sœur, mais c'était dans le passé. Tu as ton avenir maintenant avec moi. Je suis ta femme. Tu me dois de l'attention et de l'affection. S'il te plaît, hé. Ifim, je sais. Je sais qu'elle nous a beaucoup fait de mal. Je sais qu'elle m'a tellement blessée. Mais nous devons l'aider. Nous devons l'aider. Nous devons l'assister. Hein, chérie, regarde un peu comment elle vit. Peu importe. Je m'en fiche. Écoute, nous avons besoin de l'assister. Hein? Maintenant qu'elle s'est rendue compte de ses erreurs, nous devons la supporter, s'il te plaît. Je te supplie de la pardonner. Ok. Écoute, Obi, je sais que tu es un bon homme. Laisse Ifoma assumer ses erreurs. Tu étais là quand je l'ai supplié, elle ne voulait pas. Laisse-la. S'il te plaît, qu'elle reste loin de nous. Ifoma. Okay. C'est quoi? Ok, je comprends. Entrons. Tu es toujours là. Qu'est-ce que tu attends? Nous nous sommes déjà mariés. Tu reviens pour ravir ma joie. Tu es vraiment éhontée, très inutile. Je n'ai jamais su que tu étais aussi bas. T'es une sorcière. Rabat-joie. Rentre chez ton âme sœur. Folle.
mon amour, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. S'il te plaît, trouvons une façon de pardonner. Impossible. Tu peux. Oui, tu peux. Pour le bien de notre amour. Pour l'amour de notre nouveau bébé. S'il te plaît, pardonne à ta sœur. Obi, l'as-tu déjà pardonné? Oui, bien sûr, je l'ai déjà pardonné. Il y a beaucoup de temps. Je l'ai déjà pardonné. Et je veux que tu fasses la même chose. Tu vois, Dieu ne commet pas d'erreur. Je pense que tout ce qui nous arrive, c'est que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Mon amour, Dieu ne peut pas nous donner un problème qui est plus grand que nous. Gloire à Dieu que ce garçon m'ait donné de l'argent. J'ai finalement prospéré avec ça et de manière ascendante. Nous aménageons des heures au Royaume-Uni. Et je veux que tu ailles accoucher là-bas, s'il te plaît. Tout ce qui nous arrive dans la vie que nous menons ici, c'est juste que c'est la volonté de Dieu. S'il te plaît, pardonne à ta sœur, s'il te plaît. Mon amour. Quel genre d'homme es-tu? Je t'aime beaucoup, beaucoup. Je t'aime. Je t'aime aussi, Obi. Qu'est-ce que je deviendrais si elle revenait pour toi? Je suis inquiète. Ne te dérange surtout pas pour ça. Tu vois, je ne t'ai pas épousée à cause de la pitié. Je ne t'ai pas non plus épousée pour prendre ma revanche sur ce que ta sœur m'a fait. Non. Je t'ai épousée parce que je t'aime. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et ma sœur, appartient au passé. Et rien ne peut me ramener à elle, non. Ok. D'accord, chérie. Merci de venir dans ma vie. Merci à toi aussi d'être venu dans ma vie. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Il fait quoi? Ma sœur. Je suis désolée. Tu es la seule sœur que j'ai. Si tu me refuses, qu'est-ce que je vais devenir? S'il te plaît, ma soeur bien-aimée. Je sais que je vous avais offensée. Je suis désolée. S'il te plaît. Grande soeur, pardon. Ne viens pas me faire des chantages avec tes émotions. Ok, j'ai été pardonnée. Nous faisons tous des erreurs. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Merci énormément. Dieu va vous bénir. Amen. Grande sœur, c'est mon mari. Obi, nous nous sommes mariés maintenant. Je sais. J'ai les yeux. J'ai bien vu. Je n'ai rien à vous dire si ce n'est que vous féliciter. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. N'hésite pas de me dire si tu as besoin de quelque chose. Je n'ai pas d'abri. Je n'ai où partir pour l'instant.
comme vous l'avez remarqué, j'ai passé une nuit hier ici. Ça ne marchera pas. Tu ne passeras pas nuit ici. Tu vas aller te débrouiller là dehors. Mon mari ne te donnera même pas un franc. Pour que la prochaine fois, tu apprennes à apprécier les efforts des gens. Tu es tellement cupide. Ah ah. Bébé, apaise-toi. Apaise-toi. Nous allons à l'intérieur pour s'échanger. Nous devons aller rendre visite à maman. Vous allez m'accompagner chez maman? Oui. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis reconnaissante. Il n'y a pas de problème. Merci. Allons nous échanger. Nous arrivons. Merci. À moins que je devienne un cadavre. Elle ne rentrera pas dans ma maison. Ce n'est pas possible. Maman. Maman, je sais que tu es en colère. Je sais que tu es affectée. Mais s'il te plaît, calme-toi et écoute-moi. S'il te plaît, maman. Obina. Maman. Si c'est pour ça que tu es venue, plaider en sa faveur. Je suis désolée. Je vais te décevoir. Maman, pardonne Ifoma. Elle a complètement changé. Moi, je l'ai déjà pardonné. Même Obi l'a aussi déjà pardonné. S'il te plaît, maman. Oui, maman. J'ai pardonné à Ifoma du plus profond de mon cœur. S'il te plaît, maman, nous voulons que tu fasses la même chose que nous. S'il te plaît, maman. Toi, Obina, tu parles comme quelqu'un qui ignore la tradition de notre terre. Veux-tu que le Dieu me punisse à cause d'elle? Hein? Maman, maman, pardonne-lui seulement. Hein? Pardonne-lui une fois qu'elle aura mis au monde. Nous serons en contact. Mba. Maman, s'il te plaît. Ça ne marchera pas, Obina. Mba. S'il te plaît, maman. Maman, pardon. Peu importe le problème. Il faut m'en rester ma sœur. Maman, s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner. Peu importe ce qu'elle a dû faire. Peu importe ce qui s'est passé. Elle reste ta... Point de correction. Je n'ai qu'une seule fille. Il fait une moi. À qui tu es marié. Point final. À moins que je meure, Ifoma n'entrera pas dans cette maison. Jamais. Tu as vu ce que tu as créé? Hmm? Quand une mouche rejette des conseils, il lui arrive de suivre le cadavre jusque dans le tombeau. Maman, s'il te plaît, aie compassion d'elle. S'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît, pardonne-lui, s'il te plaît. Obina. Maman. Qu'est-ce que tu me veux? Ne dis plus un mot, sinon je ferai quelque chose de drastique. Maman, c'est moi, Obina. Obina. Obina, ne me pousse pas. Ne me pousse pas. Dites-la d'arrêter de crier dans ma parcelle. Qu'elle arrête de pleurer dans ma parcelle. Dérange. Maman, calme-toi. Calme-toi. Maman, s'il te plaît. Elle n'écoute pas, hein? Elle n'écoute pas. Tu n'écoutes pas. Maman, tu n'écoutes pas. Tu connais la condition de ta santé, non? Arrête. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, il faut moyen en travail. Elle n'arrive pas à coucher de son enfant, à moins que tu lui pardonnes. Maman, s'il te plaît, maman. Nous nous sommes mis à genoux. Maman, s'il te plaît, nous nous sommes à genoux. Maman, le pardon est du domaine divin. S'il te plaît, maman, pardonne-lui. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, maman. Je l'ai déjà pardonné. Obina. Je l'ai déjà pardonné. Merci, maman.
Mais cet enfant ne fera pas partie de notre famille. Oui, maman. Ok, maman. Merci, maman. Ok, merci. D'accord. Merci, merci beaucoup, maman. Merci, maman. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Maman. Obina. Bon après-midi. Kedou. Efeni. Bon après-midi. Comment vous allez? Oui, ça va, maman. Maman, bon après-midi. C'est qui ça? Maman, merci de m'avoir pardonné. Maman, elle est venue avec son bébé. Maman, c'est ton petit-fils. Oui, maman. Maman, calme-toi. Maman, qu'est-ce que c'est? Maman, est-ce que tu vas bien? Nous devons nous faire aider. Appelons les gens. Non, elle va bien. Appelons les gens. Elle est bien. Qui veut nous aider? Elle est à la rescousse. Venons à l'hôpital. Maman. Maman, lève-toi.